Bonjour à tous, cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. Je vais me faire un nœud ici parce que je me dis si jamais je peux casser la route pour aller plus loin. Quoique je pourrais directement partir de là donc ça sert à rien en vérité. Par contre, garder un œil ici. Si jamais, jamais je vais aller plus loin. Comme ça, tout ça s'alimentait. Tout ça, on va le mettre en priorité basse. Et ça, en priorité normale. Bon, c'est bon, les deux entrepôts sont construits. Je commence à me faire les éoliennes ici, c'est parfait. Ça va, Mika? Et ici, ça produit masse. Là, avec tout ça de boulangerie, j'espère être... Enfin, de moulin à blé, j'espère vraiment être tranquille. Par contre, je suis en train de totalement épuiser les ressources. T'as trop chaud, tu meurs. Bah écoute, moi aussi, ça tombe bien. Ici, on a tellement de planches qu'on sait plus quoi en faire. On a tellement de poudre qu'on sait plus quoi en faire. Je vais changer les limites ici. On va exporter à... en illimité les planches. Et les poutres en métal. Voilà. Et on va rajouter les planches ici parce que franchement, je pense qu'il y a besoin. T'inquiète, t'es pas le seul à mourir, Mika. Sauf que moi, j'ai la clim. Donc, je meurs moins que toi. Ah ah. On a tellement de résine de pain ici, c'est absolument obvious. Et ici, du coup, on est bien. On a nos 100 de nourriture. On a 100 de chaque. Si jamais on veut qu'on sort autre chose, 100 à... Ok. Et ici, c'est très bien. C'est très très bien. De quoi, pas entendu? Moi, j'ai la clim, Mika. Je meurs juste moins que toi. Et là, au moins, l'industrie va pouvoir se développer, quoi. Par contre, à mon avis, les sans emploi, ils vont pas rester sans emploi très longtemps. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, ça un peu plus haut en priorité, s'il vous plaît. Quoique d'abord, ils vont construire ça, je pense. Non, ça, j'ai foutu priorité neutre. Le blé commence à diminuer, ce qui m'arrange un peu. La farine va elle exploser totalement. Je manque tellement de boulangerie. Boulangerie, je la referai ici, là. À mon avis, je vais avoir la place. Oh là là. ...400 planches... ...200 engrenages, 300 poutres... ...j'ai envie de le faire le bordel. J'ai vraiment envie de le faire. Ah, il fait 37 degrés chez moi, Mika. Si jamais, ça t'intéresse. Et là maintenant, tout est alimenté. Ah, la résine de pain qui va partir très très vite. D'ailleurs, j'ai enlevé la limite sur la résine de pain également là-bas.
Et ça y est, on a notre première planche étincelante. On va pouvoir faire bain de boue et compagnie. On a 12 000! On a débloqué le dernier monument! Truc de fou! C'est pas où je vais le mettre! Mais un jour, je le mettrai! Ouais, c'est mieux les champs comme ça, vous voyez, ils sont quasiment tous récoltés, etc., etc. Avec que deux en récolte, simplement suffisant. On a 31 ouvriers disponibles. Vous inquiétez pas, ils vont être utilisés, vos ouvriers disponibles. En termes d'énergie, on est large, c'est cool. Et on peut des livres aussi. On en a beaucoup de livres d'ailleurs. On en a un. Ils sont combien à avoir des livres? Ils sont pas beaucoup à en avoir des livres. Hein. Ici, il me faut un bâtiment. Il me faut un truc de. Il me faut un poste de transport ici, à mon avis. Ça sera plus simple pour les fermes, pour vider les fermes. Et ça va être sympa, c'est... Ce jeu est sympa! Je ne reviens pas comment il est sympa, ce jeu. Prochaine étape, district ici pour aller utiliser ces mines, là. Alors, avant d'arriver à ça, là-bas, à mon avis, il y a du chemin. Bon, ici, clairement, on extrait la ferraille. Ils sont là que pour extraire la ferraille, eux. Ils se font nourrir, ils se font apporter à boire et tout ça, mais ils sont là vraiment que pour extraire cette ferraille. Une fois que cette ferraille est extraite, je laisserai 4 habitants pour le poste de distribution, le temps qu'il n'y ait plus rien ici, et puis terminé, quoi. Le bois, on a pris un sale coup ici, c'est normal. Parce qu'ici, j'exporte. Mais comme jaja. Les planches, notamment. J'aimerais bien savoir un truc. Vous avez que 24 planches. Hein. Mais vous avez plus besoin de rien au final là. Vous, ça va, vous êtes autonome ici. Produisez la science, etc. etc. Vous avez besoin de plus rien ici là. C'est trop bien. On est pas mal. Ça y est, tout ça c'est terminé là. Ça veut dire que l'apport en énergie. Pour les 14 000 moulins à blé et prêt. Peut-être que ça, je le remettrai en ferme, je verrai. Mais là, à un moment donné, il fallait faire quelque chose. Voilà, ici ils sont 10, au moins ils sont bien. Il n'y a plus que 16 ouvriers non utilisés. Et vous inquiétez pas que 16, à mon avis, ça va vite partir. J'ai tellement stock de farine, tellement stock de blé que... À mon avis, ça va roxer du poney. Dès que tout sera construit, ça va roxer du poney. Voilà, lui en prio, du coup. Lui en prio. Et lui en prio. Dès que tout sera construit, là, ça va tellement roxer du poney. Le jeu est beau!
Oh, je vois par contre mon stock de nourriture fondre à vitesse grand V. Ici, on est toujours autour de 4000. C'est pas ici que ça fond le plus. Je sais pas où c'est que ça fond le plus comme ça. Ici, ici ça fond, ouais, un petit peu. Mais ça va en vrai. Ici, ça doit pas fondre autant que ça. Ici, ça fond, mais parce que ça alimente la ville en dessous. Donc en vérité, ce serait facilement rattrapable. Mais bon, ici c'est pareil, ils ont tellement de blé. Que si je leur mets une autre moulin à blé, ils ont beaucoup de farine aussi, donc j'ai juste la boulangerie à construire en vérité. Ici, il faut juste que je leur ajoute une boulangerie, genre ça. Et le stock va revenir tout seul. Le truc, c'est qu'ils ont très peu de planches ici. Donc, faut faire gaffe. Et ils ont des places libres également. Donc, peut-être leur ajouter. Ah, mais non, ils ont 6 lignes occupées. Donc, peut-être leur ajouter une ou deux maisons. On va leur ajouter deux maisons ici. Voilà. Juste histoire d'être sûr, quoi. Vraiment histoire d'être sûr. Ça fait combien de temps qu'on joue là? Ça fait 3h20, j'ai pas vu le temps passer, il est déjà 19h30. Truc de fou. Je vais m'assurer d'avoir un dernier épisode ici, de finir à 20. Et après, je vais faire une pause, manger. Je ne laisserai pas le jeu tourner par contre. Ici, la farine, elle va faire un boom. Ça y est. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va détruire tout ça, là. Oh, ça va faire du bien, dis donc, ouais. Ça fait de la place, tout d'un coup. On va mettre des boulangeries à la place. Mal foutu cette route. Voilà, c'est mieux. L'univers de la boulangerie tel que vous ne l'avez jamais vu. Voilà. Ah, forcément, quand les éoliennes ne tournent pas, il n'y a rien qui produit, hein. Mais ça, c'est pas ma faute, hein. Mais bon, dès qu'elles commencent à produire, en fait, elles overloadent le réseau, donc c'est cool. J'ai beaucoup trop de stock de blé, de farine de blé. Dans ma grande ville. Faut absolument que j'arrive à diminuer ça. Ici que j'ai un peu de blé, ça c'est pas dérangeant, quoi, parce qu'ici c'est les patates principalement que je produis, mais à un moment donné, il va falloir que je réduise, quoi.
C'est pareil, ici, là, le stock de blé, vous voyez, il commence à fumer. Et là, le stock de farine aussi, c'est bien. Et on est remonté en termes de nourriture, hein, avec grâce à la nouvelle boulangerie. Et ici, ma foi, on est bien. On est très très bien. On a plus de ce qu'il faut, ils ont à manger, ils sont là craignent pour exploiter la ferraille. Et c'est clairement ce qu'ils font, voilà. Ils sortent la ferraille des entrailles de la terre. Et c'est vraiment tout ce que je leur demande. Je pense que plus tard, j'essaierai de faire une véritable cité minière ici, qui exploite les deux mines, là. Je pense qu'en foutant le district là, c'est faisable. Mais ça va être chaud. Ah, c'est pas bon, ça manque de briller, les gars. Ah, c'est pas très grave, en vérité, de la résine, j'en ai tellement que je peux manquer de briller ici. Ouais, mais c'est bon, il y a 15 gamins qui vont débarquer, donc ça va. Peut-être que j'augmente ma production de nourriture ici. Si je veux le garder indépendant, ce truc. Par contre, l'eau, ça descend trop bas. L'eau, ça descend trop bas, j'ai oublié de faire ça. Voilà ce que j'ai oublié de faire. Hop là. Deux pompes à eau supplémentaires ici. Qui pompe naturellement là où c'est qu'elle de profondeur, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. C'est mieux, du moins, it's better. En vrai, vous là, au niveau du travail, les gars, vous êtes là, hein. Ah ouais, hein. Les observatoires, c'est ce qui est le moins important ici, hein. Vaut mieux faire tourner le reste avant les observatoires, les gars. C'est bon, les points de science, on en a tellement qu'on sait plus quoi en foutre, donc... Alors par contre, où est-ce que je vais foutre mon big bâtiment, moi? Je pense que je vais raser ça. C'est une terrasse qui est très peu utilisée. Voilà, les boulangeries. Ah là, je peux vous dire, mon stock de blé, il va fondre. Hein. Mon stock de pain est totalement explosé, tu m'étonnes. Mon stock de blé, il va fondre. C'était vraiment la bonne idée de faire ça, je pense. Parce qu'ils ont tellement pas de carottes, etc., etc., que vraiment le pain, c'est vraiment la base de l'alimentation pour les, même pour les castors. D'ailleurs, je trouve même ça pas équilibré parce que, au final, bon, ils demandent pour les points là avoir toutes les sources d'alimentation, mais c'est tellement chaud. C'est tellement, tellement chaud. En vrai. En vrai, si je le fais ici, il couvre quasiment toute la ville. Par contre, ça va me ruiner 200 engrenages. Je les ai pas, il m'en reste un engrenage. 400 planches. Je les ai pas. Et on a que le métal. Il nous manque des engrenages, limite. Ouais, c'est les engrenages qui manquent. On a tellement de fait boulangerie, etc., qu'on a utilisé tous les engrenages qu'on avait en stock. Trop marrant. Tiens, on a oublié deux arbres ici. Bon, laissons-les. C'est vrai que les engrenages, c'est 6 heures par truc d'engrenage à faire. Hein. Tiens, la sécheresse qui arrive au jour 12 maintenant.
En vrai, logiquement, avec tous les stocks d'eau que j'ai, je suis tranquille. Le seul endroit qui craint un peu, c'est ici en termes de stock d'eau. C'est parce qu'ils n'ont pas de transporteur à côté. Il en manque 9 des bonhommes. Ah ouais. Bah mais ils ont 17 enfants aussi. C'est une garderie cette ville. Ouais.